C'est une actualité venue d'outre-Atlantique qui fait l'objet de ce vidéo-magazine. En effet, nous sommes davantage habitués à voir venir les artistes américains en Europe et en France. Et cette fois, c'est tout un courant de la peinture française qui est en voyage aux États-Unis. Le mouvement de la figuration narrative, né dans les années 60, fait l'objet en effet d'une exposition à la galerie Richard Tettinger à New York, et c'est la première fois que ce mouvement est présenté de manière générale, collective, dans ce pays. La figuration narrative, on le sait, est un mouvement né dans les années 60 en France, et qui regroupe un certain nombre d'artistes, parmi lesquels je cite Hérault, Monory, Fromanger, Rancillac, Adami, Télémaque. Ce mouvement a connu ses heures de gloire dans ces années 60 et 70 et est revenu dans les expositions plus récemment depuis une dizaine d'années. Mais c'est la première fois qu'à New York, à Manhattan, cette présentation est faite pour ce mouvement né en France. Jean-Luc Chalumeau avait présenté dans le cadre de l'Encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain ce mouvement. Et je vous propose d'écouter et de voir quelques moments de ce témoignage. Alors à partir de 1959, des artistes convergent vers Paris, parce qu'il faut noter que la figuration narrative, c'est pas une affaire franco-française. L'Islandais Hérault, l'Allemand Klazen, l'Espagnol Arroyo, le Yougoslave Velichkovic, l'Italien Adami, et j'en oublie, convergent vers Paris. Et ils ont un seul point commun au départ, avant même de se connaître, avant même d'être des amis, ce qu'ils vont devenir. Ils ont un seul point commun, c'est qu'ils en ont absolument ras-le-bol de l'emprise terrible des différentes attractions sur la scène artistique internationale. Télémaque, que j'oubliais à l'instant, qui vient de Haïti via New York, était saturé d'abstractions au sens expressionnisme abstrait à New York. Il arrive à Paris. Et à Paris, qu'est-ce qu'ils trouvent, tous ces pauvres artistes? Ils trouvent le paysagisme abstrait, qui est très honorable, qui est une très bonne école, c'est très bien. Mais eux, l'abstraction n'est pas leur histoire. Alors pour les Français, ils trouvent là des gens comme Rancillac, comme Fromanger, bien. Alors, ils veulent raconter quelque chose, ils veulent engager leurs images dans l'histoire. Ça peut être quelque chose de très personnel. Adami, par exemple, parlera beaucoup de son inconscient avant de parler de l'histoire. D'autres, comme Fromanger ou Rancillac, sont en plein dans la politique. C'est très variable, leur motivation. Mais ce qu'ils veulent, c'est s'inscrire, je dirais, dans la temporalité. C'est parler des événements et du temps qui passe. Il y a un point commun aux artistes de la figuration narrative, c'est l'usage, direct ou indirect, de l'image photographique. Et par extension, je pense à Monory, le cinéma. L'image mécanique les intéresse. L'image mécanique, elle est utilisée comme un moyen et voire même comme une fin. Ils recyclent les images qui sont les images un peu comme les artistes pop populaires. Seulement, le pop art fige l'image alors que eux utilisent l'image toujours dans une continuité, dans une narration. Voilà. L'image décomposée, l'image neutralisée, l'image transformée, l'image dévié dans un sens nouveau que n'avait pas prévu le premier auteur, c'est la figuration narrative. Ne pas oublier que subjectivement ou politiquement, la figuration narrative ne perd jamais l'idée qu'il faut produire du sens.